Amis téléspectateurs HPM, salut. Voix PAM, c'est Lalanne Fritz, depuis Port-au-Prince, qui va l'informer de toute actualité cap déroulée sous territoire pays d'Haïti. Une fois encore, nous disons bienvenue dans l'édition nouvelle sur ce qui a passé en Haïti et nous disons bonne écoute. Salut PDG Abner, c'est un honneur et un privilège HPM accordé nous pour nous informer Haïtiens qui vivent à travers le monde sous HPM. Comment bagayoye en Haïti? Jeudi à ce jeudi 13 mai 2021. Toujours ces questions conflit, crise politique, insécurité et grandes décisions qu'a prend sous sol pays d'Haïti. Mais décision qui presque pas vaut rien, leur effet yo pas arrivé montrer gain gros changement qui fait pour ne pas même dire un changement mini zuit. Jeudi 13 mai 2021, midi 30. Lorsque sur route frère, te gen un chauffeur taxi moto qui était tombé en bas cartouche police nationale. Ça qui te mettait gros problème sur route frère dans Pétionville côté tout chauffeur taxi moto était mobilisé pour aller cantonner devant sous-commissariat qui nan Vivi Michel. Dans Delma 3, Abel Rochas qui c'est un agent 4 police nationale te joint nous en Mali dans journée mercredi qui était 12 mai 2021 par plusieurs cartouches. Agent 4 Abel te sol fait une transaction dans une banque dans Delma et rivé Delma 3. Civil armé te criblé à cartouches. Route nationale numéro 1 à hauteur Carrefour Marin plus spécialement dans zone Bon Repos, te connaît vers midi, yon situation la troublaille, côté nèg te barré route la à camion, et selon toute information HPM recueilli, panique ça, c'est à yon chauffeur taxi moto qui t'a joué un enlèvement dans le jour mercredi 12 mai 2021. Et selon toute information, yo, c'est à M. 400 Marozo qui t'a enlevé. Et chauffeur moto ça, l'Italien membre influent dans le groupe base Chien Méchant qui cantonne dans Chada. Est-ce que le jour qui prend le vin là, il prend le mince à travers route nationale numéro 1? À partir de Chadalatan, Marin, quoi d'émission, Santo, il n'est que d'attendre. Bon côté pas, route nationale numéro 1, à hauteur de 1,50 km, Carrefour, route 9, Bon Repos, Port-au-Prince, il y a un autre gros conflit. C'est un conflit entre Canaan 2 avec 1,50 km. Lieu côté où t'es séquestré, docteur Dieny Pierlis. Ça qui était la cause, gagné la police nationale qui mettait 1,50 km sous cible, lisse noire côté li capable attaquer. Et le journée 12 mai 2021, information qui grand petit bonheur le matin. Negazam te débarqué dans kilomètre 50 et dans fin journée, un jeune homme te perdu la vie, tout collé commissariat Carrefour route 9 et monsieur Tetli ta on bord et bon derrière la font l'autre bord. Tout collé commissariat Carrefour route 9. Dans Port-au-Prince, si nous avons monté à hauteur dans la commune Pétionville, image qui a sillonné, tu as fait quoi que un homme qui t'a kidnappé
pasteur qui était dans l'église adventiste Dikini, quand elle était enlevée pasteur avec trois autres fidèles, Dikini 63, commissariat dans la boule, tu as mis tes mains dans le pas de cassav, jeune homme ça, que tout le monde t'a suivi sur les réseaux sociaux, qui t'a vu un film, kidnapping en à ciel ouvert, côté le monde t'a assisté. Mouché, dans le moment où on a parlé là, qui c'est 13 mai 2021, si on n'y a pas démenti, monsieur, t'as la main DCPJ pour expliquer, by DCPJ, pour qui réseau l'a fonctionné, qui est-ce qui patron et qui s'acte des têtes li dans l'enlèvement, pasteur, adventiste, qui c'est sous fond de rançon, li te joine libération. Port-au-Prince pas trop douce. Gen pile trouble nan journée 13 mai 2021. Information qui pou ko confirmer ni démenti. Si nan après-midi, information ta fait quoi? Chef G9 là, Jimmy Cherizé alias Barbecue, ta prend balle et yo ta transporté l'hôpital pour journée 13 mai. Ya. Gros bruit a couru dans le couloir Port-au-Prince qui t'a fait croire Barbecue t'a mouri. Information qui toujours restait sous doute jusqu'à preuve du contraire. Alors, Port-au-Prince, une fois encore, sur l'autre fond de menace. L'autre point qui a tchatchakol sous territoire pays d'Haïti, c'est sous question jeune homme qui était décédé lorsque la police était maspinel dans Wanamet, qui c'est département nord-est qui vient pour chef-lieu Fort Liberté. Commune Wanamet te connaît yon gros trouble face à cri ça, la police lui-même te commet bavure ça. Côté gain plus passé 7 policiers qui ont même en panne chef, 4 en isolement, gain l'autre eux même yo metté sous contrôle. Jeune homme nan, Jean premier vidéo roi te montré un homme qui pas a fait résistance avec la police. Mais gon deuxième vidéo qui montrait que si monsieur si policier descend monsieur a pas de vigilant lui-même il t'a tombé lui-même en bas sur une échelle lorsque il t'a monté pour la joindre petit bonhomme ça vient changer l'opinion mais c'est pas ça qui baille droit avec la police nationale qui s'est protégé ak servi pour ta maspiner petit bonhomme jour yo rivé Floyd Lee la police nationale. Tu as gagné plusieurs policiers, tant que Michel Metellus, beaucoup de parlé, tant que tu as gagné plusieurs policiers au nombre de 3, tant que Dieufène Jacques, Fénélus Manassé, et Jeff Zephyr, lui-même parmi 7 policiers, 3 non ça yo. C'est yo qui fait plus actualité, comme quoi c'est yo. Qui t'a maspiné ti bonhomme en plus, mais l'autre y aurait été pour répondre à la question. La justice, pendant l'enquête pour le mener sous yo, directeur police nationale là, dit regretter yon bavure comme ça qui fait, et le promettre lumière sur ça qui produit. C'est comme ça, ça y est. Pas bon ici. C'est comme ça, bagaille mal marché, pas bon ici. Mais sous question nomination premier ministre dans quelques heures ou du moins dans rentrée jour vendredi qui prend le 14 mai en pile parole qu'a parlé quand même avancé que PM Claude Joseph a fait gros démarche pour celui qui reconduit et gain pile marcheron dans secteur privé a qui a fait gros pression sur le palais national pour t'a maintenu Claude Joseph.
Si ça t'arrive, qui a 5 noms qui sont tapis à cap discuter et qui réaction dera si mon Dieu seul et qui position l'opposition radicale pral prend. Mini Jonas Kofi pour le commerce, il y a une grosse décision le prend. Nous promettons, téléspectateurs HPM, il y a un gros râle sous question commerce en Haïti pour 14 mai 2021 si Père l'Éternel prête la vie face à gens à passer sous territoire pays d'Haïti, côté chaque Haïtien, tant qu'il y a un poule qui m'a rien en pied de table, ravisseur, les ouvriers pour couper court. Yo coupé court. Côté insécurité. Insécurité dans réflexion en pile monde qui côté le sorti. Qui histoire li? Est-ce que son phénomène diabolique ou du moins c'est parce que Haïti pas t'a gouverné qui la cause n'a géré en insécurité en permanence. Si gouverner veut dire prévoir la caille pas nous. Gouverner les libertés, piller et puis marcher pour sou, sans crainte ni peur. Et drôle de coïncidence, nouvelle constitution by amnesty à tout volo, même là où tu piller l'État, l'on a quitté, il n'y a pas de droit juger. C'est article qui est criminel dans la nouvelle constitution, président Alexandre Boniface, qui croit que c'est la première fois Haïti a une constitution pareille. Boniface pas bay menti mais pour l'âge li ou a demandé est-ce que il pas fait Alzheimer. Sorti en 1900 en 1492 zile pays d'Haïti qui était porté nom Hispaniola t'es habité avec 750 000 habitants. Il était dirigé par deux tribus, c'est Arawaks et Taino. Espagnol t'est débarqué mauvais traitement qui te subi après 1492, te cause Taino et Araxo malade et ou te fini par mourir en grand nombre. Espagnol yo te fait venir nek Guinée pour te vin travail di dans territoire. Blanc français qui te vin met pied pal à terre sous Iléa, te commence à débarquer ak l'autre monde. Comme ça, li te débarquer chaque année 33 000 nègres. Et c'est à chiffre ça qui la cause, les nous apprend indépendance nous. En 1804, après bataille de Vertière, 18 novembre 1803, 1er janvier 1804, Haïti te connaît entre 500 à 501 000 habitants. Et 501 000 habitants, li te divisé en trois séries. Il y a des nègres qui sont chiffrés à 480 000 et des nègres d'Afrique à petit yo que ont les mulattes qui sont chiffrés à 20 000 et des monsieur blanc yo qui sont seulement yon millier. Sorti année 1804 à 2001, en 1804, Haïti a gagné 500 000 habitants. En 1860, en 1970, Haïti vient gain passer à 1 million. 1920, recensement te bail 2 millions habitants. En 1965, on recensement te chiffré à 4 millions habitants. En 2001, Haïti te passé à 8 131 000 habitants. Et prévoyance qui fait de 2001 à 2030, experts prévoient que Haïti a bien à peu près 16 millions habitants. En 1915, l'armée indigène pays d'Haïti avait environ 20 000 soldats. Intervention américaine en 1915, yon 15 juillet, t'a écrasé l'armée indigène plate et 20 000 soldats sa yo t'a lagué à examen main sous territoire. De 1915 à 1934, l'armée américaine t'a quitté Haïti après 19 ans de l'occupation. Et en sortant, il était seulement quitté l'armée FADH, pour ne pas dire gendarmerie, à seulement 2 000 soldats. 19 ans plus tard,
Haïti était passé à 3,5 millions habitants et il était quitté de l'armée de 20 000 qui était écrasé à 2 000. Là, on est capable de comprendre côté insécurité, il était programmé d'une manière psychologique. De 1934 à 1957, l'armée américaine était quittée. Il était fait plusieurs coups d'État. François Duvalier, qui devine prendre pouvoir 22 septembre 1957, te forcé fusiller 19 officiers qui te maton dans le coup d'État. François Duvalier, qui n'a pas fait confiance à l'armée, ça te formé plusieurs milices. T'as coup Makout, qui c'est VSN, te gen SD, préfecture, recherche criminelle. Tout corps civil, ça yo, milice, ça yo, yo tout te gen zam. Je devine mélanger avec Chouquet Larouze, mettez avec chef section. De 1957 à 1986, personne expert pas qu'à évaluer combien chiffres milices du Valier te gen sous territoire qui ont même te allé à examen, mais yo te quitté sous sol pays d'Haïti. De 1915, nous te gagné 20 000 soldats qui te 20 000 âmes qui gagné. Et de 1986 à 1957 à 1986, personne ne connaît combien d'âmes les Duvalier, père et fils, te quitté pour nous. De 1986, après départ les Duvalier, arrivé en 1994, l'armée d'Haïti te organisé 4 coups d'État. Nan fi fè youn, avril lage pal la, Cédras fè pal, et Roger Lafontaine, qui sont Makout rebelles, t'es utilisé 400 soldats à l'armée pour te faire un coup d'État contre une femme, Erta Pascal Drouillot, mais qui n'a pas réussi. Dans la fille, t'es une milice qui est les Brassard Rouge, dirigée par Franck Romain avec Gauchilet. Et Raoul Cédras Michel François, t'es une frappe de Toto Constant, mettez avec milice Jonas Saint et monté pour te faire face à l'armée d'Haïti, qui eux-mêmes pas privé faire face là, face à l'armée américaine. 19 septembre 1994, Jean-Bertrand Aristide, sous pression internationale de Washington, a écrasé l'armée en 1995. Elle a remplacé avec seulement 1500 policiers intérimaires. 1500 policiers, après 80 ans, côté l'État a monté descendre, côté Haïti, a gagné plus passé. 4 millions d'habitants là-dedans. Vous capable de comprendre? Insécurité, ça, n'est pas pitié. De 1995 à 2004, Amnesty International a un rapport 200 000 âmes qui ont sillonné sous territoire pays d'Haïti. Et pourtant, en 1994 à 2000, Haïti a gagné 25 000 soldats. Soldats américains mélangés avec Nations Unies, plus de 46 pays sont sous territoire. De 2004 à 2021, dernier rapport ZAM qui baille sur Haïti, révélé à 500 000 ZAM. Pourtant, de 2004 à 2021, Haïti était venu en assistance militaire qui était chiffré entre 15 à 20 000 soldats, Nations Unies, la France et autres. Jouk nous vin gen binu là, qui vin dirige Haïti en soudine. Jodi a, nous gagnons 15 000 policiers pour 12 millions d'habitants après 106 ans côté l'armée indigène écrasée à 20 000 soldats. 106 ans après, l'armée américaine débarquée, société haïtienne, l'État pays d'Haïti, qui refait constitution sous constitution, amendé constitution sous constitution, vient à nouvelle constitution sous constitution, pour qu'on même qu'à atteindre 20 000 policiers. Pour 12 millions d'habitants. Qui s'en a géré? Qui aide nous joindre vraiment au niveau international? Est-ce que c'est nous qui avons passé dans la bêtise? Ou du moins, c'est ancêtre qui a passé dans la bêtise? Ou du moins, c'est dans la question pour te bol blé qui fait nous quitter l'international afin d'inventer l'insécurité? Je dis à un pile moun a posé question, est-ce que les politiciens, premier qu'on a parlé, il n'a pas pesé gros pouce.
avant de traiter l'audacieux. À bon entendeur, salut. Voix Pam, c'est Lalan Fritz, depuis Haïti, qui t'a présenté toute actualité nationale pour HPM. Au revoir.